La mobilisation des ressources financières dans un contexte de défi sécuritaire constitue l'objet de cette formation organisée par l'Association Fiscalité et Développement Local AFDL. Convaincu que cette tâche nécessite de nouvelles approches, de nouvelles stratégies, cette structure entend renforcer les compétences des membres des collectivités territoriales sur la mobilisation des ressources fiscales en période de crise sécuritaire. Le président de l'association estime que le développement local est un processus, il ne se décrète pas. Il faut d'abord travailler à maîtriser davantage le potentiel fiscal qui se trouve au niveau des collectivités. Nous pensons également qu'il faut travailler dans ce contexte de crise sécuritaire où certaines zones sont inaccessibles, c'est de développer des solutions innovantes, parmi lesquelles la digitalisation des procédures, que nous pensons que ça peut aider à mobiliser. Nous pensons qu'il faut travailler à sensibiliser et à promouvoir le civisme fiscal dans ce contexte précis. Amos Zongnaba ajoute que la sensibilisation des populations est nécessaire afin qu'elles comprennent le bien fondé de leur contribution à l'assiette fiscale. Du reste, les membres des collectivités territoriales qui participent à cette formation estiment qu'elle arrive à point nommé. Je peux dire que pour la situation actuelle que traverse le Burkina Faso, cette formation, celle peut être faite dans toutes les 13 régions de Burkina Faso. Je me dis, elle est la bienvenue et je sais qu'avec les compétences que cette association engrange, ça va beaucoup porter de fruits. Au sortir de cette formation, nous espérons être outillés en matière de stratégie de mobilisation résiliente des ressources fiscales au niveau de nos différentes collectivités. On s'attend à bien s'outiller pour pouvoir sensibiliser les contribuables. Puisque en matière de recouvrement sur le terrain, il faut sensibiliser avant de pouvoir avoir quelque chose. Plusieurs représentants des communes du Grand Ouaga et des communes environnantes comme Bingo, Sourgoubila et Lumbila participent à cette formation. Elle permettra aux membres de ces collectivités territoriales de pouvoir mobiliser les ressources fiscales au grand bonheur des populations.